Bon les mecs, on essayera de trouver une vraie forêt la prochaine fois pour vraiment genre, tu sais, avec des montées entre les sapins et tout. Oh. Salut les mecs. Un petit peu de jus. On va mettre un petit peu de jus là quand même là pour aller watt watt. On va pas mettre beaucoup parce que c'est super cher ici. On va mettre genre un truc comme 3 litres. Ça sera déjà bien. Allez, regarde. Putain, ça monte fort, hein. Ça monte fort. Il est super cher dans ces genres de stations comme ça. Allez, 3 litres. Oh, allez, 3 litres, c'est déjà très bien. Regardez, je vais même pas mettre une goutte à côté. Si vous êtes prêts. Hop. Oh là là. Si c'est pas un professionnel, ça. Si c'est pas un professionnel, ça, donc. 3 litres, 4 balles. Ouais, ouais. Ouais, c'est cher, ouais. Ouais, c'est cher. Bon, allez. Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec l'enduriste fou. Sachez en description, aujourd'hui on prend une revanche. Regardez comment je suis sapé, motocross. Bon lui il est sapé, motocross moyen. Regardez, il est tout trempé. Je lui ai dit ouais, équipe-toi bien. Du coup moi j'ai mis mon manteau en dessous. J'ai mis un t-shirt, j'ai mis tenue de cross et tout. Je suis avec encore les carénages rouges, j'ai pas encore reçu le kit déco et aujourd'hui on va s'attaquer à la deuxième partie de l'enduro. Aujourd'hui les conditions ne sont pas du tout optimales, il pleut à n'en plus pouvoir. Ce soir à minuit on est... Non on est confiné, t'as pas suivi ta leçon. Aujourd'hui on va faire tout ça là, tous les petits patelins en moto. Je vous montre vite fait les pneus, slick, voilà, aucune adhérence sur la route. Même sur la route on glisse, alors là je vous le dis pas. On va essayer de pas tomber. On est tous les deux tombés, on sait déjà ce que ça fait de tomber, ça fait mal, ça fait chier. Sa bécane elle est réparée comme vous pouvez voir, il nous a mis des petites poignées. Ouais le guidon il a pas encore reçu. Ouais bon, allez. Et alors il a rafistolé son garde-boue. Regardez, il a mis la pâte à fixe. Attends mec, ça tient vraiment pas du tout. Mec ça glisse beaucoup trop en fait. Hey, j'ai le frein avant qui est appuyé, je glisse. Ça patine. Bon la première étape c'est d'arriver au vrai chemin qu'on va prendre sans tomber. Eh, si jamais tu sens que tu tombes, faut accélérer de fou. Ouais, parce que moi ma chute les gens ils m'ont dit que c'est parce que j'ai glissé comme ça. Il aurait fallu que je mette un gros coup de gaz et que je remette tout droit. Mais si jamais tu te sens tomber, tu lâches, tu gazes. Et à ce qui paraît Ouais ça guidonne fort, ça guidonne fort. Je tombe pas, je tombe pas. Oh, je chasse de l'arrière, c'est horrible. Ouais. Ouais. Les pieds, c'est des éponges. J'ai plus de chaussures. Ah là là, c'est propre. Eh, c'est une bécane fait pour le cross, hein, tu te poses comme ça là, au moins tu mouilles pas les pieds. Oh. Ouais, d'accord. Il se croit sur une planche de surf là. Mais quel malin. On va faire d'autres chemins. Vas-y, bah attends, attends que je sois de l'autre côté. Je vais te filmer. Vas-y. Voilà. Ouais. Quart du temps du mille. Quart du temps. Mais quel malade. Ce soir à minuit on est confiné, puis lui il fait le con qui nie. Regardez ses pieds. Wow. Oh là là. Les mecs, dites-nous si nos postures elles sont bonnes. Allez, on tombe pas, on tombe pas. Genre, est-ce que c'est bien de rouler les pieds à terre comme ça pour se rattraper? Ou il y a d'autres positions pour se mettre? Et là, on essaye de plus gazer, vous nous avez dit, pour pas faire de chute bête.
Genre par exemple, si je vois que je commence à chasser de l'avant, bah je mets plein gaz et pour essayer de remettre le guidon droit, il va se remettre naturellement droit tout seul. C'est ce que vous m'avez dit, hein. Alors si jamais je vois que je chasse, j'accélère à fond, ça fera patiner l'arrière et normalement ça devrait me remettre droit. Dans la logique. Il m'envoie toute sa merde. On sait pas trop ce que c'est le mieux entre rouler les deux pieds à terre, pas mettre deux pieds à terre. On décrase les pneus. Mollo. Oh le fumier. Vas-y. Mais je crois que les 50 qui font de l'enduro, si je dis pas de conneries, c'est des bêta. Allez, on a des couilles ou pas? Ouah. Regardez, c'est un... Le truc, c'est qu'on peut pas vraiment accélérer. Oh, il m'a trempé. Putain, j'en ai eu dans la gueule. Alors lui, j'en ai eu dans la gueule. Alors lui, attendez. Il s'arrête plus. Il sait que je vais le pourrir. Ouah, j'ai reçu une vague. Oh, je suis trempé à l'intérieur du casque et partout. Regardez-le. C'est un truc de fou. Hey, tu sais quand t'es passé à côté de moi? J'ai eu une vague qui est venue sur moi. C'est rentré dans mon casque et tout, putain. Ouais. Mec, une vague tu m'as mise. L'eau elle est montée jusqu'à ma tête et je te... J'ai une vague, elle est rentrée dans le casque. Un truc de fou. J'ai de l'eau de partout. Allez. Oh, je suis trempé. Wow. Allô, ça mouille, hein. Regardez ces clignotants, je sais même pas comment ils font pour tenir. Ouais. Ouais, je sais pas. Oh là. Oh, c'est incroyable. Regardez comment il est trempé. Oh, dans un mois on est confiné. Dans un mois, ce soir pour un mois. Oh, il est... Hey, tu sais que quand on te voit, il y a l'eau qui passe au-dessus de toi. Oh. C'est incroyable. Mais moi, quand je mets mes pieds comme ça, j'ai chaud. On va essayer de passer des trous comme ça, voir si on est vraiment des bons enduristes. Quel fumier! C'est quoi de mourir? De l'eau, il m'envoie de l'eau dans les yeux. Bon, on va faire demi-tour, on va rentrer au bercail. Hein. Oh, comment t'es trempé. Bon les mecs, on essayera de trouver une vraie forêt la prochaine fois pour vraiment, genre, tu sais, avec des montées entre les sapins et tout. Et là, regardez le vent qui... Regardez, ça c'est du vent là. Là c'est du vent, nous on est trempé. Et encore, moi j'ai un manteau et tout en dessous, lui il a rien, il a que ça. Je vais vous filmer le retour parce que je sens qu'on va encore se taper des bons délires. Hein. Ouais.
Bon, attends, je fais demi-tour. T'es trop con. Ouais, on fait drifter l'arrière, ça passe, bien sûr. Allez, on rentre au bercail. Je vois plus rien. Je vois plus rien. C'est incroyable, je vois plus rien. Oh, le kill. Regardez-le, regardez-le. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est la mer. Oh, c'est la mer, regardez, on dirait les vagues. C'est les vagues de la mer là qu'on a. Faudrait des vraies motos pour faire ça, ce sera encore plus drôle. Ouah. En fait, faut vraiment que j'ai un masque avec un casque de cross. Hein. Parce que là, j'ai pas de visière, du coup, j'ai toute l'eau. J'ai toute l'eau qui vient dans, dans mes yeux et tout, c'est horrible. J'essaierai la prochaine fois de lui mettre une GoPro sur son casque pour que vous voyez, parce que lui, mais c'est un dégénéré mental. Et en vrai, je comprends tellement les mecs qui se marrent au cross et tout, tous ensemble. Je suis trempé. C'est quoi? Oh là, j'ai pris la douche. Eh, c'est plus simple de les passer debout, hein. Eh ben, on aura un mois de confinement pour tout nettoyer la bécane. Mais moi, j'arrive pas à me mettre debout, je suis obligé d'être courbé. Je sais pas, peut-être que le guidon il est trop bas. C'est le collet. Et il va où? Il m'avait dit qu'il avait plus d'essence, non. Non, gros. Non. T'as plus d'essence? À sec. Elle s'est coupée. Normalement, ça va marcher, mais je vais même pas faire 2-3 km, mais ce sera déjà ça de gagner. Putain, là t'es... Après, j'ai pas mis le fond d'essence à fond parce que j'en avais plus assez. Là, t'as plus de jus du tout. Ouais. Comment on va faire, gros? Bon, en vrai, nos bécanes, elles sont pas si dégueulasses, hein. Ah, gros, les moteurs, là, on va les nettoyer comme il faut, hein. Non. Je caille à mort, en plus. Ouais, moi aussi. Donc là, deuxième partie de la vidéo, il tombe en panne. Mais non. Panne d'essence en enduro. Ouais, mais gros, là, t'as bien vu le combien de kilomètres on a fait, là, à travers les champs. On va rentrer à 20h, hein. Soit on tente de retourner là-bas, on va sur la route et on rentre par la route. Ou là, on reprend là-bas, là. Ouais, c'est là, en fait, moi, ma moto, quand elle a plus d'essence, quand j'accélère, elle met 3 secondes à accélérer. Oh, zébi. Je l'ai vu direct, en fait. Oh, mince. Bon, les mecs, on va réfléchir à une solution et on vous retrouve. Parce que moi, j'ai plus beaucoup de batterie.